Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII Remake. Alors, on m'a dit, m'a-t-on dit, c'est vrai, en plus c'est vrai, hein, de plus utiliser le blocage que l'esquive dans ce jeu. Mais voyez le problème? Le problème, c'est que c'est Dark Souls. Et je suis un personnage esquive, vous le voyez bien. Et bloquer, c'est dur, hein. C'est dur d'oublier 15 ans de jeux vidéo, quoi. Et le problème, c'est que l'esquive, en fait, en vrai, elle fonctionne pas dans le jeu. On se demande pourquoi ils l'ont mise, en fait. Et en fait, c'est un jeu de, c'est un action RPG où tu peux pas esquiver, ce qui est un petit peu con. Ils auraient dû laisser en faire. En fait, ce que je disais, ce jeu a le cul entre deux chaises. Et donc, ça marche pas. Il y a des trucs qui ne marchent pas. Comme l'esquive, par exemple. Va falloir se lancer. Et pareil, le truc que l'ordi focus le perso que tu contrôles. On l'a vu dans le combat avec Reno et Rude, où en fait avec Tifa je faisais des ronds et en fait c'est les alliés qui les ont tabassés, quoi. Enfin pouvoir respirer de l'air frais. Ça, c'est mal fait. Et en fait, en vrai, ils auraient dû faire. Enfin, le meilleur ratio, je pense, en termes de modernité pour un Final Fantasy, c'était FF13, je pense. FF13 était. Pouvait être très compliqué ou très facile, suivant ce que tu faisais. Et moi je pense que c'était le meilleur choix. Ou alors il fallait rester sur du JRPG classique, en mode tour par tour où ça bouge pas. Et en vrai ça marche aussi, t'as pas besoin d'avoir tout ça. Le FF16 j'ai pas aimé et c'est un beat'em all classique moyen moins. Là il est naze. Pour moi c'est un mauvais FF. Plein de raisons. Un jour j'expliquerai peut-être. Et c'est pas un bon jeu, donc enfin c'est un jeu moyen, quoi, voilà. Et là je sais pas. C'est plus proche que tout à l'heure. Le problème c'est qu'il y a des trucs qui te gênent dans le jeu. Par exemple l'esquive qui marche pas. Un jeu plus bah, comme les vieux, ça aurait été quand même mieux, quoi. Pas une question que j'aime pas la modernité, hein. Loin de là. Par exemple, dans Crisis Core, l'esquive était vraiment utile. Sur PSP. Parce que le jeu avait été créé comme ça. Quel carnage. Vous y êtes presque. Allez. Ça ne veut pas. On va vous aider. Marle. Ah, c'est vous. On y va. Un, deux. Normalement, la madame, là, elle va mourir, hein. Elle peut pas se relever, hein. Bien joué. Je peux vous dire que vous avez eu de la chance. Et maintenant, quel est le programme? Bonne question. Il y a sûrement des gens qui ont besoin de notre aide. Dis-moi, est-ce que tu es retourné au bar? Non. Si vous alliez y faire un tour déjà. Bon, d'abord le bar, et après ça, on verra. Comme vous le voyez, les routes sont couvertes de débris. Alors faites attention où vous mettez les pieds. Et... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez-moi, s'il vous plaît. Ok. Vu l'expression sur vos visages, Marlène doit être saine et sauve. Disons qu'on sait pas trop. Il y a des survivants ici? On sait où on l'a laissée, mais on sait pas si elle est encore vivante maintenant. Ça fait au moins 10 minutes qu'on l'a laissée dans ce monde.
Vaut mieux pas rester 10 minutes sans surveillance. Et si moi je faisais du bruit, si quelqu'un nous entend, je t'ai entendu. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Eh oh ! Ah. Mais donc on n'aura pas vu le QG qu'on voyait dans FF7. Appelle le bar dans FF Advent Children, je sais plus. Il est à Wedge. Tu veux quoi? Allons voir. On y va. La musique est sympa. Et douce. J'aime beaucoup. C'est là qu'était la maison de Wedge. Ouais, le... Ah. On arrive tout de suite. Alors surtout, reste où tu es. Ce genre de truc, c'est chiant. Tu sais que tu dois aller là, et c'est pas encore actif. Ça sent la chenara à plein nez, ça. Wedge. Wedge. Merde, c'est vraiment pas le moment. Ah. Nous forcer de jouer avec Barrett. Merde. J'aime pas Barrett, vous le savez. Tifa ! Cloud ! Si vous m'entendez, répondez-moi ! Oi ! Bon. Lorsque vous contrôlez Barrett, il arrive qu'un icône en forme de mire s'affiche à l'écran. Cela signifie qu'un obstacle pouvant être détruit est proche. Fouillez les alentours pour trouver les marques désignant. Ces obstacles ne peuvent pas être détruits avec les armes d'attaque à proximité. Oui. S'il n'y a pas de passage, je vais en faire un. Déjà. De toute façon, on est full life normalement. Oui. Alors. Te tiens à toi. Surtout, tiens bon, Wedge. Ça aussi, c'est une installation de la Shinra. Et voilà, c'est plié. On va aller se reposer, normalement il repop. Merde.
Je préfère quand on me donne du fil à retordre. Allez pas m'énerver. Faites ça. Te tiens toi. J'espère que ça te plaît. Tiens. Dégage de là. Allez. Et voilà le travail. Les ragarons, on les a déjà vus 50 fois, donc... Ah voilà. Quand on me donne du fil à retordre. Tu peux cibler l'ennemi, s'il te plaît. Prêt. Je les ai pas vus. Y'a pas d'entour loup. Voilà. Vous avez quoi? Oh, ils sont tous morts. Et voilà, c'est plié. Voilà. Je sais plus où c'est la suite. Désolé pour nos amis qui sont épileptiques. Est-ce que ça a l'air d'être fermé? Oui. Le coffre. J'ai pas cassé toutes les caisses là qui sont là. Non, non. Quand même dommage. On va avoir plein de médailles MOG. Si le jeu était gentil. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de construire tout ça, ces salauds? Mais pourquoi on joue jamais Tifa? C'est le perso qu'on voudrait jouer. Pas question veut... que je perde ce combat. On les a pas vus, je crois. Mieux vaut être prudent. C'est les attaques de magie à 100% de précision lancées pendant. Ok. Ça va pas. J'espère que ça te plaît. Ah oui, c'est vrai que. On a ça. Il est temps de faire un carton. Tiens, je l'ai pas tué. Pas grave. Alors bouge pas. Tu vas t'en manger une bonne dose. Voilà. Ouais, victoire. Ah, j'ai pas de sort de soin avec lui. D'accord. J'ai 12 milliards de potions, on va les utiliser. Hein. D'accord. Hein. Ça doit être hyper dur de monter une échelle avec une seule main. En vrai. Mais jusqu'où ils sont allés creuser ces connards de la Shinra? Je préfère quand on me donne du fil à retordre. Adieu. Dégage de là, allez pas m'aider. Non. Cette touche. Et voilà, c'est plié. Je voulais... Ben voilà. J'allais bien. Ah là là, ça tombe pile poil. Quel talent. Des méga potions, ça va. Je voulais faire colère maximale pour les chaises qui sont pas beaucoup de PV. Vous écraserez coûte que coûte. Nice.
Arrête d'encore frapper. Il y a une grosse bête qui crie. Ça me fait un peu peur. On est obligé d'aller vers les grilles de la grosse bête. On peut pas juste rester là et attendre que les autres ils arrivent. Il y en a deux. Dégage de là! Où sont les coffres? C'est ça nous qui nous intéresse. Les coffres. Ah, un coffre. C'est un passage fermé là, oui. Rate-coup de soigneur. Alors ça... C'est pour augmenter les soins de mémoire. Vous allez me dire, c'est un peu normal, mais... Ça augmente l'effet des soins, c'est ça. Ça fait rien d'autre. Je sais plus de combien ça les augmente. Pas très fort à mettre sur Aeris, évidemment. Mais ça, sur Aeris, avec... air d'effet et soins. Tu es très content. Je préfère quand on me donne du fil à retordre. Non mais sérieux. J'aime ne pas rien pouvoir faire. Je vais t'éclater. C'est pas vrai. Tu peux rien faire. Non mais sérieux. Je peux jouer. Merci le jeu. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Merci. Attention, il a dit qu'il envoyait, qu'il mettait tout d'un coup. Hein. Ça, c'est réglé. On adore, hein, évidemment. Les ennemis comme ça. Je préfère quand on me donne du fil à retordre. Alors. Il a cherché. Ça meurt. Adieu. Une bonne dose. Voilà, dégagez. Et voilà le travail. C'est un peu une mitrailleuse de merde, hein, vu toutes les balles qu'il faut mettre dans un ventilo. Au-dessus ou en dessous, la Shinra est partout. La Shinra devant. La Shinra derrière. Je préfère quand on me donne du fil à retordre. Tiens, ça t'apprendra. Dis-moi que l'ennemi n'a pas subi de dégâts parce qu'il a visé à côté. Parce que c'est Barrett et qu'il est complètement con. C'est Barrett et il est complètement con. Comme d'hab. Oh oui, Barrette. Barrette, tu ne sers à rien. Mais ça, on le savait déjà. Barrette qui ne se tourne pas. Hein. Vous avez vu, il fait un 90 degrés. Hein. Il va pas penser à tourner son pied pour pouvoir attaquer derrière. Est-ce que c'est Barrette et qu'il ne sert à rien? Tifa! Hé, hey, Tifa! Tout va bien? J'en suis pas vraiment sûr. Leur nid doit être quelque part. Occupe-toi, s'il te plaît. Tu peux compter sur moi! Mais y'en a combien? Prends ça! On adore ces phases de gameplay. J'arrive, viens! Prends ça!
On aime bien, hein. Là, c'est génial. Alors, techniquement, c'est là que le jeu doit te dire... Ah, je devrais aller faire autre chose, tu vois, que de rester appuyé sur carré. C'est du genre, il y en a beaucoup trop pour que ce soit, pour que je puisse faire quelque chose. Oui. Oui, merci. Désolé. J'arrive, Tifa, je suis là. Tifa, les gardes. Il est passé. Ouais, j'en ai sûrement sorti. Occupons-nous plutôt de ces bestioles. Eva, coupe-moi ça. Prends ça. Mais on peut pas jouer Tifa. Si. Non, je vais bien. Bien. Il faut d'abord retrouver Wedge. On se grouille. On s'en fout complètement de Cloud, évidemment. Non mais il y a des... Même pas une petite médaille mug. Alors attendez. C'est plus où est-ce qu'on a les... la matéria. C'est celle qu'il faut casser. C'est celui-là. Là on est dans la... cage. Ça c'est le coffre. Ok. Un été. Un été sous le soleil, c'est quand même agréable. Là, c'est pour les caisses. Il y avait qu'une petite pierre Mako, même pas un... Je n'ai pas gentil avec moi. T'avances comme ça depuis tout à l'heure quand même. Bah si. Hein, tu me connais bien pourtant. D'accord. Tiens. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Coupe-moi ça. C'est fait. Te tiens, toi. Tifa toujours meilleur perso ever. Alors glace. Très bien. Ouais, peut-être que j'améliore mes glaces d'ailleurs. Vas-y, passe en glace. Si on te donne glace, c'est qu'il y a une raison. Tifa à la glace, d'accord. Je sais plus c'est quoi le boss de la zone. Mais... Turbo était. Oui, non, mais sans ça. Voilà! Allez. Merci. Résistance aux altérations. Peut-être être utile, hein. Peut-être qu'il y a un boss qui met des altérations d'état ici. Au hasard.
Est-ce qu'on a tout fait? Ouais. Allez. J'aime pas, Barrette. J'ai monté pas mal d'étages déjà. J'arrive! Alors, attends, il est où? Wow. On se calme. Je vais t'avoir. Allez, je me lance. Esquive de merde. J'arrive. Arrête de penser esquive, pense défense. C'est mutisme ça, non? Costaud dans son genre, tu sais. Je suis certain qu'il est en train de dormir en ronflant, là. Oui. Quand on sera ressorti de cet endroit, on va lui donner de bonnes choses à manger. D'accord. Je n'abandonnerai pas. Ah ! Prends ça ! Ah ! Des cadeaux ! Je tiens ! C'était trop gagné d'avance! C'est pas un jeu, tu sais. Ah, Tifa, tellement balèze! C'est le personnage le plus sympa à jouer! Elle saute dans tous les sens et défonce tout le monde! Non. Il n'y a pas à dire. Ils ont vraiment pensé à tout ici. Eh ouais. Ok. Achat d'objets, oui. C'est déjà, c'est sûr. Ça, c'est sûr aussi. Ça, c'est sûr que tu fais une mix. Ok. Alors, on est parti. Pas un boss là. Là le boss. Les deux en même temps.
Alors... Wedge! Ça ira. C'est vrai? C'est pas parce qu'il a le cœur qui bat que c'est bon. Hein. Petit saligo. Faut pas me faire des peurs comme ça, mec. Oh, bon sang. Merci. Allez, on y va. Ouais. Purée, t'es pas léger, mon vieux. Qu'est-ce que c'est ? C'était caché où cela ? C'est la Shinra qui a créé ces créatures. Ah ! Pas de pitié pour ces saloperies de la Shinra ! Les magies de glace ont augmenté rapidement la jauge de choc. Oh, c'est bizarre ça, on avait justement chopé une matérielle de glace. Coute-moi ça ! Voilà. Merde, il s'est barré. Bordel! Pas m'emmerder. C'est éclaté! J'ai eu! Vous frappez maintenant! Oh bah y'en a plus que deux. Ok. Dégage. Hey. D'autres. D'autres vous sadites. Il en arrive de partout. Ça va aller. Évidemment, tu me connais. Voilà. Je peux... Non, je peux pas. Tu veux un petit coup de froid ? Je compte sur toi ! Allez, c'est parti ! C'est pas fini ! Bon, tu m'énerves. Viens me battre. Voilà ! Coupe-moi ça ! Dans le vide ! Ouais, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir vous faire défoncer le cul. C'est pas fini! C'est cadeau! Voilà. Ça s'arrête quand? C'est bon? Faut barrer la bouche d'aération! Tifa, tu t'en occupes? Protège mes arrières! Aïe! C'est con. J'arrive. Je peux? Merci. Quel talent. Hop, hop, hop. Allez.
Alors, sont le seul sort à pouvoir faire augmenter sa jauge de choc. Les attaques physiques rapprochées n'ont que peu d'effet, mais celles à distance n'en ont aucun. Une fois que son appendice est détruit, son cœur apparaît et remplit rapidement sa jauge de choc. Très bien. Alors. Attends. Je peux redescendre ? Ah non, moi je peux pas redescendre. C'est un petit peu chiant. Je vais te faire trembler ! J'ai eu ! C'est pas fini ! Pardon. Prends ça ! Coupe-moi ça ! C'est pas fini ! Alors, c'est éclaté. Tifa. Ah, voilà. Allez, il reste plus qu'à faire le ménage. J'arrive. C'est pas fini. Tu vas te sentir passer. Alors, attends. Alors, ouf. Parti pour un tour. Voilà. Alors, attends. Alors, j'ai plus de glace. Merde. Je vais faire trembler. Elle, c'est Pampa, et lui, c'est qui? Carbuncle, vaut mieux Pampa, je pense. T'aimes tout ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il m'a absorbé ! S'il te plaît. Barrette, tu n'as plus de munitions. C'est pas fini. Ok. Alors, sort, glace, sur l'appendice. Je vais t'avoir. Faut l'arrêter goutte que goutte. Bah alors, pute patrie. Le voilà. Il suffit de toucher là, c'est vraiment trop facile. Mais... ah, ça m'énerve. Mais je peux pas viser le boss. Super. J'ai jamais pu viser le boss. Très bien. J'aime ça. Et là, ça va rien faire parce que ils sont tous en immunité. Complètement foutu en l'air mon perso, enfin mon invocation, c'est très bien, on est très content. Attention, il va faire un gros tir ou quoi? Voilà, l'appendice est mort, très bien. Alors, est-ce que tu peux viser le boss? Merci. Ah,
Allez, allez, allez. Non. Oui. On l'a eu. Cloud. C'est maintenant que t'arrives. À toi de jouer. Non, mais t'es à la bourre et tu me donnes des ordres en plus. Ah, mort pile poil, hein. Je l'ai tué pile poil. Very happy. T'as eu de la chance de nous retrouver. J'ai seulement suivi les impacts de balles. Laisser un tel chaos derrière soi, c'est signé Barrett. Hé hé. Oh. Hein? Alors... Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser ici? Je ne pense pas. Tifa. Gants à plumes, griffon mitril. Alors, on va aller les améliorer. Alors, tout de suite, hop. Gants à plumes, pourquoi il y a une... Ah oui, non. Pourquoi il y a une... Il y a un truc comme si j'avais un truc à faire dessus, mais non. C'est juste que... Alors, emplacement de matériaux, oui. Ok, dans celui-là, il y a quoi? Résistance, coût en PM, des sorts offensifs, moins 20%, c'est parti. Ils sont où? Ah oui, non mais ça, oui. Évidemment que oui. Dégâts des sorts, plus 20% de PM maximum. Augmente les dégâts infligés des sorts quand les PM sont au maximum, ouais, si tu veux. Ça, oui. Voilà, ok. Et ça, bon, bah, attaque magique, PM, emplacement de matériel, c'est pris physique. Voilà. Attaque magique plus ça, vas-y. Ok, ok, let's go. Une paire de gants, lance une boule d'énergie, qui, droit devant soi, frapper un ennemi avec la sphère King Kong. Ça sert à frapper les ennemis, donc je... Ok. Mais non. C'est vrai. C'est vrai. Je peux pas changer les armes dans ce menu, parce que c'est complètement con. Tifa, gants à plumes, griffon mitril. Oui, tu changes les matériaux. Par contre, technique, attaque anticipée. Alors, vent, tu vas la mettre à la place de attaque anticipée. Voilà. Est-ce que j'ai encore résistance aux altérations? Ouais. Okay. Ok. Vas-y, casse tout. C'est bon, on va aller voir s'il y a des coffres. On peut pas aller voir s'il y a des coffres, donc c'est qu'il n'y a pas de coffre. Allez, c'est parti. Ces trucs, c'était des humains. C'est ça. Le vrai visage de la Shinra. Cloud ? C'était des soldats ? Eh oui. C'était quoi ça? Oh
C'est rien, t'inquiète. Il faut l'amener dans un endroit sûr. On verra plus tard pour le reste. Ouais, t'as raison. Oui. Allez. Cloud. Oh. Bien joué, toi. Ok, allez, on y va. Pour ce qui est de Wedge, je compte sur vous. Moi, je vais attendre les autres ici. Wedge a survécu. Tout espoir n'est pas perdu. Quand j'étais en haut du pilier, j'ai vu Jesse et Biggs, tu sais. Ils étaient très salement touchés. Les chances qu'ils s'en sortent. Dis pas ça. Ils sont retournés à la planète. Si on continue pas, ils vont nous en vouloir, c'est sûr. Bon sang, mais qu'il est lourd. Toute cette zone est une zone qui n'existait pas dans FF7, hein, on le rappelle. C'est quand même bien qu'ils rajoutent des trucs, etc. Mais bon... Est-ce que ça a des limites ou pas ? Toujours pareil. Je vous suis très reconnaissant. On n'avait personne à qui demander. Ce serait inhumain de ma part de rejeter un blessé à la rue. Elmira, il est temps. Aerys a sûrement besoin de notre aide. Ne recommence pas avec ça. On a trouvé un laboratoire où ils font des expériences sur les humains. Je connais bien la Shinra et je sais de quoi je parle. J'ai du mal à imaginer qu'il relâcherait Aerys aussi facilement. Si elle est vraiment la seule survivante du peuple des anciens, elle est la cible du département scientifique. Et celui qu'il dirige, le professeur Ojo, est sans pitié envers ses cobayes. Ça suffit maintenant. Pourquoi ? J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Vous devez être fatigué, vous aussi. Allez, vous feriez mieux de dormir. Oh. Oui. Alors. Garde des trucs à revoler dans la maison d'Aerys. Non. Ici qu'on me dit. Ici ou ailleurs. Ici, regarde hein, parce que des fois
Il rajoute des trucs. On l'avait vu pour la matéria. J'espère que j'ai rien loupé là, dans cette zone là. Il manque une matéria cloud. C'est quel matéria qui lui manque? Je ne sais plus. On sent. Pour le moment. Y'a rien à voler, c'est nul. Même petite matériel, rien. Hein? Oui, dans la maison. Mais il y avait rien à faire dans la maison. Tu me mens, le jeu. You are lying to me. Là, je pouvais pas l'ouvrir la porte, on est d'accord. Donc c'est dehors. J'avais raison. Arrête de mentir, le jeu. You are lying to me. Va prendre un bain de minuit, il fait à deux. Moi ça me dérange pas. T'arrives pas à dormir? Toi non plus. J'ai entendu des pas. Pardon, je t'ai réveillé. Un rien me réveille. Habitude de soldat. La fleur que tu m'as donnée. Tu l'as reçue d'Aéris, en fait. Je me disais bien aussi que c'était bizarre. Pour que toi, tu m'offres une fleur. Elle symbolise les retrouvailles, pas vrai? J'ai pas pu m'empêcher de chercher. Je la gardais précieusement dans le bar. Mais maintenant, elle aussi, elle a disparu. Comme le bar. Nos maisons. Et tout le reste. Voilà. J'ai encore tout perdu. Pleure pas, choupette. J'aurais dû mettre du lubrifiant. Pardon. Arrête, arrête. Je sais très bien que ça sert à rien de pleurer. Mais non, dis pas ça. C'est gentil. Faut que j'arrête, hein. Des fois, je suis en roue libre, hein, vous le savez. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. On vous doit une fière chandelle. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander.
Je sais que vous en auriez fait autant pour moi. Elmira. J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit. C'est comme si le destin m'appelait. Je dois y aller. On sait ce que vous ressentez, mais s'il vous plaît. On veut tous la sauver. On tient beaucoup à elle. Je le ressentais au fond de moi. Je savais que ce jour finirait bien par arriver. Et malgré tout... S'il vous plaît, allez libérer ma fille. Papa ! Ma reine. Tu t'en vas ? Désolé, ma chérie. Mais je suis obligé d'y aller. Je préférerais rester toujours avec toi, pour de vrai. Mais bon, je pourrais pas me battre du coup. Il y a plein de méchants. Ils veulent détruire la planète. Et tu vois, en fait, je dois me battre contre ces méchants. Protéger la planète et tous les gens du bidonville, c'est le travail de papa. Tu comprends? Je dois y aller. Tu te souviens de la dame qui t'a sauvé? Ben cette fois, c'est elle qui a besoin de notre aide. Comme on est bien élevé, on va bien la remercier, d'accord? Mais tu sais, quand j'ai vu cette dame... Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu la sauves. Compte sur moi. Tu vas revenir? Pas vrai? Ouais, t'inquiète pas. Bon, je t'attends ici. Allez. Ça va aller? Ouais, elle comprend bien. Bon, on va se faire la tour Shinra. N'oublie pas pourquoi on y va. Je sais, c'est bon. Aerith sera avec nous en moins de 2. Ok, let's go. Mais comment on va aller jusqu'en haut? Tout est arrêté et il n'y a plus de train. Alors, un cadeau? On n'a qu'à suivre la voie ferrée. On est dans une situation critique. Mieux vaut partir du principe que les voies habituelles sont bloquées. Alors comment on fait? Y a un autre chemin? Vous savez qui pourrait avoir ce genre d'informations? Don Corneo. Ah, Don Corneo, notre ami. Évidemment, marcheur invétéré. C'est quoi celle-là? Et là. Nombre de pas 0 sur 5000. Ça me dit rien, ça. Est-ce que j'oserais faire ça pendant 2 heures pour vous? Vous savez que j'adore ce type de gameplay. On va faire le tour du jardin d'Aerith pendant 20 minutes avec vous. Ça, vous allez souffrir avec moi. Est-ce que ça vous dit? Franchement, en vrai, c'est pas si horrible que ça. Si?
Non, je rigole, je rigole. On va pas faire des tours comme ça pendant 8 heures. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.